Il est 13h45 et pour une raison inconnue, cette plaque de béton échappe au grutier. Sous la tour upside, c'est la panique. Cet automobiliste a eu très peur. J'ai vu devant moi des gens courir, en même temps le bruit de pierre qui tombe sur la voiture et puis l'impossibilité de voir en l'air puisque j'étais dans la voiture. J'ai accéléré et alors je me suis un peu rendu compte de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais sur le moment même pas. Un accident, un élément préfabriqué qui est tombé de la grue sur le mode de lift. Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont évacué la dalle dangereuse avant d'inspecter un échafaudage qui, en arrêtant la dalle dans sa chute, a été fortement endommagé. Des dégâts corporels, on a deux blessés, pas trop graves pour les infos qu'on a pour le moment. On ne sait pas, ils sont partis vers des hôpitaux pendant que nous, on faisait la partie technique de l'intervention. Et des dégâts matériels encore relativement limités. Inutile de préciser que l'on a évité la catastrophe, car la tour se trouve sur le chemin des festivaliers, se rendant par milliers à Couleur Café.